Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle interview exceptionnelle en direct, enfin pas du tout en direct d'ailleurs parce que c'est enregistré, du showroom de la chaîne Guitare. Je suis avec Valérie Duchâteau à ma droite. Valérie, comment est-ce que ça va bien Valérie? Ben ça va bien et heureuse de vous rencontrer Pierre. Oh, on va se tutoyer hein, quand oui, même. Hein. Alors, ouais, ouais. Très heureuse de te rencontrer puisque nous sommes Saint-Mandéens ben tous ouais, les deux. Absolument. Et on se rencontre à Paris. Voilà. Et donc, à ma gauche, Antoine Tatic, donc j'ai dire l'alter ego. On va parler évidemment de ce duo, comment ça s'est formé. Comment est-ce que ça va bien aussi, Antoine? Ça va pour le mieux. Ouais. Oui, oui, bon. Très bien. Excellent, très on bien. Ravi d'être en ta présence, de venir visiter cet endroit. C'est impressionnant, hein? Oui. c'est vrai, ça l'est toujours. Une très belle guitare, une belle chose, beaux amplis. Ah ouais, il y a beaucoup de matos, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Ouais, oui, forcément, une partie bibliothèque est importante. Dis-moi, Valérie, raconte-moi un petit peu ton parcours. Quelle était ta toute première guitare? Oula, ma première guitare, elle a été achetée à la Juncker à la frontière espagnole. Mes parents avaient peu de sous. Et à l'origine, je voulais faire de la harpe. Donc, on avait déjà négocié pour une guitare. Et en fait, la guitare, elle était énorme. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a des quarts, des demi, des trois quarts. Donc, une guitare encore plus grande que celle-ci. Ouais. Et en fait, je voulais tout de suite pouvoir jouer le deuxième mouvement d'Aaron Ross. En fait, dans mon rêve d'enfant, je croyais, en entendant ça, que c'était la harpe.
Et en fait, quand j'ai eu la guitare, j'avais l'instrument qu'il me fallait. D'accord, ok. Donc c'est un malentendu qui était bien tombé, en fait. Qui était bien tombé. Ouais. Et ça, c'était à quel âge, hein? Là, j'avais 9 ans. D'accord. J'ai eu la chance de rencontrer... Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaineguitare.com.